Ok, donc Relégion, donc ça c'est le deuxième épisode, juste après la suite de ce qui s'est passé. Donc on a découvert que en fait le père, bah il a pas, et le père, bah il a éclaté Kara et c'était pas un accident de voiture. Donc on est déjà sûr sur ça. Ah, heureux. Bon. Qu'est-ce que tu fiches? Oh, ça se... Je m'amuse. Tu t'amuses. Je sais ce que tu penses. Que ton père a un bon à rien. Hein? Un pauvre loser. Qui a pas de travail. Qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions? Mais quoi que je fasse, y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air! Oh là là, mais fais pas ça devant ta fille! Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes! Mais fais pas ça devant ta fille, t'es con! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Demain, si je peux pas voir, j'enregistrerai quand même. Je suis désolé. Je Ouais, suis désolé. t'inquiète, j'enregistrerai tout. Je suis désolé. Tu sais que je t'aime, tu sais. Tu sais que je t'aime. Par contre, si le père il a souvent des excès de colère comme ça. Putain. Ouais, enfin, il aime quand même. Enfin, pour se vénère comme ça. Nettoyer le rez-de-chaussée. Putain, j'ai loupé des trucs. Moi j'ai fait 89% quand même. Bon, c'est pas mal. Allez, station continue. On retrouve qui? Ah, Marcus. Je crois qu'il s'appelle comme ça. On m'a spoil le nom. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Voilà. Marcus. Oh, Olio, il est là, il est présent. Attends, moi je kiffe la baraque. Bon, un petit peu vieillot, mais richou. Ok, bon. On va poser le colis. Putain, il a 1 $, ce bâtard. Ah, t'es déjà depuis longtemps. Ouais, mais au coup, tu parles pas aussi, donc c'est un peu normal. Alors, regardez. Putain, mais le mec, il a de la thune, hein. Il commence à avoir des fossiles, je sais pas quoi, là. Il faut aller où? Où est-ce qu'il faut aller? Attends, c'est quoi les objectifs? Je les ai vus, les objectifs. Réveiller Karl à l'étage. Peut-être là. Ah ouais. Tirer le rideau. Bonjour Karl. Bonjour. Il est 10 h. Oh, mais les yeux. Le temps est couvert. Il fait 12 degrés. Avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues pour cet après-midi. C'est une bonne journée pour rester sous la couette. Je suis passé récupérer la peinture que vous avez commandée. Ah oui. Donner son médicament à Karl. C'est toute la différence entre toi et moi. En vrai, Marcus, toi, tu n'oublies jamais rien. Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Non. Karl. Arrête de faire ta chauchotte. Je viens à peine d'ouvrir les yeux et je grince déjà des dents. Les humains ont une mécanique si fragile. Et tombent en panne si facilement. Tous ces efforts pour les entretenir. Qu'est-ce qu'ils ont, tes vêtements? Oh, ce n'est rien.
juste des manifestants dans la rue. Quelle bande d'abrutis. En vrai, il me fait de la peine. Bah ouais, attends. Je pense vraiment pouvoir ralentir le progrès en brutalisant quelques androïdes. J'espère qu'ils ne t'ont pas fait de mal. Non, 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 ils ont rien fait. Ils m'ont juste bousculé. Bousculé, on frappait, frappait et tout. Je vais reconduire à la salle de bain. Ouais, faut pas qu'on lâche. Là. Attends, mais il y avait un fauteuil roulant à côté. Ok, il y a pas mal de tableaux. Ah, je peux pas lâcher, je crois. Non, en vrai, si je lâche, ça le stoppera juste dans le mouvement, je pense. On va essayer. Ouais, c'est ça. Ça stoppe le mouvement. Donc, beau gosse le papy, hein. Il y a quelque chose dans mon agenda aujourd'hui. On sent oui, rien. Le vernissage de votre rétrospective au musée d'art moderne. Le directeur de la galerie a laissé 4 messages pour que vous confirmiez votre présence. Je n'ai pas encore décidé. On en reparlera plus tard. D'accord. Quoi d'autre? Juste des messages d'admirateurs. J'y ai déjà répondu. On va l'attendre quand même. On redescend. Tu as des nouvelles de Léo? Non, car. Donc c'était un. Si non. Léo. Non, c'est qui Léo? Je meurs de faim. Ouais, on va te faire un drive. T'inquiète pas. Comme vous les aidez. Merci Marcus. De rien. Allez, petit déj. Bon, pour l'instant, même taf que Kara. On s'occupe, domestique. Toi, il a un vrai petit déj. Il avait des figues et tout, là. Il est refait, lui. Allez. Tu as vu la baraque, ce serait du gâchis de bouffer des grenades. Ouais. D'accord, car... Alors, trouver une occupation. S'occuper. Alors, trouver quelque chose à faire. Qu'est-ce que je peux faire? Y'a quoi là? Lire. Oh, flemme. Oh, allez. Oh. Je crois que je peux jouer. Trouver. Ouais. Moi je vous check. Oh, salut Lu, salut Neira. Salut, salut. Une petite partie d'échecs. Oui, d'accord. Et une partie rapide. Va pour une partie rapide. Gagné. Merde, j'ai pas eu le temps de choisir. Égalité. Allez. Très étrange cette égalité. Mentir. Alors, peut-être que vous avez mieux joué. Tu ne mens pas aussi bien que tu joues aux échecs. On sait tous les deux que je ne peux rien contre toi. Un jour, je ne serai plus là pour m'occuper de toi. Tu devras veiller sur toi-même et faire tes propres choix. Ça, c'est pas le taf d'un androïde. Et qui tu veux devenir?
Ce monde n'aime pas ceux qui sont différents, Marcus. Ne laisse personne te dire ce que tu devrais être. Allons à l'atelier. Ah, lui, il est grave cool, ce mec. Je le kiffe. Lui, il considère les androïdes comme son égal. C'est grave bien. Oh là là, moi, je le kiffe de ouf. Ah, j'ai pas envie qu'il crève. La vie, j'ai pas envie qu'il meure maintenant. Quand je regarde dans l'atelier. Oh. Voyons où on s'était arrêté. Vas-y, enlève le drap. Enlevez le drap. Putain, et l'atelier, il est grave bien. Nettoyez l'atelier. Alors, commencez par ça. Eh, pas d'engueulade sur le chat. Attention, hein. Je surveille, hein. Ici, c'est détente. Pas d'engueulade. Bon. Reste quoi à ranger? Ah, là-bas. À se regarder. Ah non, range. Quel est ton verdict, Marcus? Enthousiasme. Oui, je sens quelque chose en moi. Je n'arrive pas à le décrire. Je crois que j'aime bien. Pour être franc, je n'ai plus grand-chose à raconter. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin. Je ne suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux. Car... Mais assez parlé de moi. Voyons si toi, tu as du talent. Essaye un peu. Essaye de peindre quelque chose. Peindre? Mais enfin... Peindre quoi? Ce qui te passe par la tête. Ça, c'est chelou, ça. Allez, on va te faire plaisir. Alors, trouver un sujet à peindre. Ok, donc peindre la statue, peindre le bureau, et tout. Vas-y, on va faire la statue. C'est une copie conforme de la réalité. Mais la peinture ne consiste pas à créer une réplique du monde. Elle consiste à l'interpréter, à l'améliorer, à exprimer ton point de vue. Désolé. Désolé. Je ne pense pas en être capable. Ce n'est pas dans mon programme. Vas-y, essaye. Prends cette toile. Ok, allez, c'est parti. On va faire les peintres. On va faire les Picasso.
Tiens, fais-moi plaisir, ferme les yeux. Ferme les yeux. Fais-moi confiance. Allez, on les ferme. Essaye d'imaginer quelque chose que... Putain, le visage est trop bien fait. Ce que tu n'as jamais vu. Maintenant, concentre-toi. Est-ce que j'ai jamais vu ? Sur ce que ça te fait ressentir. Et laisse ta main naviguer à travers la toile. Ok. Android, humanité, identité. Humanité. Colère, confort, empathie, espoir. Colère. Android. Trop tard. Attends. Putain, la musique elle est grave bien. Oula. Oh mon Dieu. Bon, la prochaine fois qu'il y a des trucs de choix comme ça, je vous laisserai le choix. Parce que là... J'ai pas percuté. Je ne t'ai pas entendu entrer. Ah, Léo. Ouais, je passais dans le quartier. Ah, son gamin. Je te rends visite. Ça fait longtemps, hein. Tu vas bien? Tu n'as pas bonne mine. Ouais, je vais bien. Écoute, j'ai besoin de liquide. Oh, c'est un camé, lui, hein. Encore? Où est passé l'argent que je viens de te donner? C'est un drogué, lui, c'est sûr. Bah, ça part vite, tu sais. Ouais, t'en as encore pris, c'est ça? Non, je te jure Sténos, que c'est pas ça. Sténos, chacun de son propre musique, j'ai besoin son propre compositeur. Je suis désolé. Bienvenue, Sténos. Mais la réponse est non. Hein? Pourquoi? Tu sais pourquoi. Bah écoute, ça va super, et toi? Ouais, je crois que je sais pourquoi, ouais. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein? Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus? Il est plus futé? Plus obéissant, pas comme moi. Il est moins con surtout. Mais tu sais quoi, ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine. Léo, stop, ça suffit. Arrête. Tu t'intéresses qu'à toi-même et à tes foutues peintures. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Ah, bien sûr. Tu m'as jamais aimé. Bien sûr que si, les parents, ils aiment toujours leur enfant. Ouais, il est relou son fils, hein. Bon. Total de points. Evolve, yo Evolve. Comment vas-tu? Bah écoute Sténos, franchement, je l'ai acheté il y a 2 heures. Et là, je suis en surkiff la plus totale. Il est juste génial ce jeu. Ah. Bon écoutez, je pense que je vais faire cette histoire là. Et après, je vais arrêter le live et je reprendrai demain. Je pense reprendre le live sous les coups de 15h, un truc comme ça, 15h30, 16h. Ah, de mytho, les Ordream. Ah, c'est Connor. Trouvez le lieutenant Anderson. Alors, scanner. On te scanne. Qui es-tu? Derek. Derek quoi? Ah, oh, trop tard. Bon. Les androïdes n'étaient pas autorisés. Chut, c'est bon. Ferme-la. Allez.
veut scanner. Bon, tant pis. Je crois que je suis trop loin. Pourquoi je peux pas scanner? Ah voilà. Non mais je te parle de demain en fait. Je parle demain que je reprendrai. Je sais qu'il est 17h30. Je parle de demain. Toi, on te scanne. Ah oh là 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 là. Sans commentaire. Je dirais rien du tout. Ok. T'es qui toi? Je crois que c'est... Allez. Putain mais... Voilà. Lieutenant Hank Anderson. Ah bah c'est toi. Tu veux payer un verre? Parlez. Lieutenant Anderson, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans les cinquièmes bars. Qu'est-ce que tu veux? On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide, impliquant un androïde de CyberLife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêtes. Ouais, dur d'être un lieutenant, ouais. Surtout pas un connard en plastique comme toi. Je le connais, lui. Raisonné, menacé, compréhensif. Je comprends que certaines personnes ne soient pas très à l'aise en présence d'un androïde, mais je suis parfaitement à l'aise. Mon cul, ouais. Maintenant, dégage avant que je te transforme en ferraille. J'ai rien à faire. Insister. Je regrette, lieutenant, mais je suis obligé d'insister. Mes instructions précisent que je dois vous accompagner. Les instructions, tu sais où tu peux te les mettre. Non. Où ça? Laisse tomber. Allez, lui offrir un autre verre. Vous savez quoi? Je vous en offre un pour la route. Qu'en dites-vous? Écoute. Barman, négociateur dans l'arme. T'as vu ça, Jim? Les merveilles de la technologie. C'est moi un double. Je crois que tu m'aimais plus que tout. Ah là là. Non, non, l'acteur, je le connais. Il joue souvent des rôles de militaire, lui, je crois. Je vous jure, tapez le nom du jeu avec le nom Anderson, l'acteur. Vous allez voir sa tête. Il joue dans une série, je crois. Je crois que c'est dans Flash. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il joue dans la série Flash. Non, diplomate. J'ai pour instruction de vous accompagner sur la scène du crime, lieutenant. Écoute, j'en ai rien à carrer de tes instructions. Je t'ai demandé d'attendre ici, alors tu fermes ta gueule et tu m'attends ici. Non. Alors là. Ordre contradictoire, sélectionnez la priorité. Sur le lieutenant, bah oui. Allez, sors. Donc t'es un ouf, toi. Josh Douglas, mon cher LCS. Vous confirmez qu'il s'agit d'un homicide? Je confirme que dalle. Ils ont dit quelque chose. C'est la police. On dit que dalle. C'est interdit aux androïdes à partir d'ici. Il est avec moi! Quand je dis reste dans la voiture, qu'est-ce que tu comprends pas? Vos ordres entrent en conflit avec mes instructions. Eh oui! Tu parles pas, tu touches à rien et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord? Compris. Oui. Salut Hank! On commençait à croire que t'allais pas te pointer. C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus. Alors, comme ça, on a un androïde, hein? Ah, très drôle. Dis-moi ce qui s'est passé ici. Mon voyou nous a appelé vers 20h, son locataire ne payait plus son loyer depuis quelques mois, alors il est allé chez lui pour voir ce qui se passait. C'est là qu'il a découvert le corps. Un corps? Oh, bon sang, mais ça tue! C'était encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres. Oh, la victime s'appelait Carlos Ortiz. Apparemment, il a un casier pour vol et voix de fait grave. D'après les voisins, il était plutôt du genre solitaire. Il restait enfermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. Ouais, vu son état, c'était pas la peine de déranger. Oh putain, gros porc. Ils auraient pu attendre demain matin.
À vue de nez, ça doit bien faire 3 semaines qu'il est là. On en saura plus quand le légiste arrivera. Il y a un couteau de cuisine par ici. Probablement l'arme du crime. Il y a des signes d'effraction ? Non. D'après le proprio, la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées. L'assassin a dû s'échapper par derrière. Qu'est-ce qu'on sait de son androïde ? Pas grand-chose. Les voisins ont confirmé qu'il y en avait un, mais il n'était pas là à notre arrivée. Je suis en vie. Faut que j'aille prendre l'air. Fais comme chez toi. Ok. Passé. Bon, allez, c'est parti. Mode Inspector activated. Examiné. Oh, c'est la même drogue que Todd. Ok, donc lui, c'est un drogué. Ensuite. Examiner. Analyser. Pas d'empreinte Android impliquée. Le sang. Ah oh, oui, putain, c'est dégueu. Oh putain, mais qu'est-ce que tu fous, là ? Je fais une analyse du sang. Je peux scanner les échantillons en temps réel. Désolé, j'aurais dû vous prévenir. Ok, mais évite de te fourrer des preuves dans la bouche, d'accord ? Compris. Putain de chien, mais j'hallucine. Ok, sang séché. Environ 19 ou 18 jours, je crois. Ah, ok. Indice. Analyser. Je crois que je pouvais regarder là. Cette lettre est impeccable. Allez. C'est bien. Encore du sang séché. 19 jours, voilà. Aucun humain n'écrit comme ça. Ok. Chris, ça a été écrit avec le sang de la victime. J'imagine. On prend des échantillons pour analyser. Laisse tomber. Comme visite us. Ok, d'accord. Un placard. Next. Donc, je crois qu'on a fait cette pièce. Notre ami Cardo s'est mis. Il y a du sang séché encore. Encore. Chris, tu me fais une analyse complète des narcotiques. Une chaise. C'est comme si c'était fait, lieutenant. Synchronisation détail. Empreinte. Correspond à la base de données. Car... Ok, donc il a dû se protéger ou pousser quelque chose ou machin. Je compare le mec au sol à tout en position. Il était. On aurait dit qu'il avait trop mangé. Mais hey, t'as. Fini de prendre les échantillons ? Ouais, c'est fait. Ok, bon. Très bien. Ici, il y a quoi ? Lire. Encore un truc de sexe. Le sexe avec les androïdes, c'est mieux. Gros port. Attends. Je peux lire encore le truc ? Ouais. Parce que j'ai peut-être un indice. Tourner la page. Tech Addict. Page 1. Ok, on s'en fout. Ça m'excite, arrête. Y'a quoi ici ? Ah, c'est le couteau qui manquait ! Donc à mon avis, ça a dû se passer pas très très loin. Il manque quoi là ? Il manque ça. Examiner une batte de baseball ? Oh ! Alors. Les empreintes. La base de données Carlos Ortiz. Donc il a dû s'en servir. Il doit y avoir une baston entre l'androïde et le reconstitué. Bon. Le déviant a pris un couteau. Oh l'enfoiré, il est en train de le battre. Le déviant est attaqué, choc émotionnel. Oh là là, encore notre enfoiré, putain. La vérité sur le cas. Désolé, j'ai pas vu. Je sais pas ce qui s'est passé aussi. Il a dit qu'il était excité sur ta... Non, il a dit qu'il était excité sur le... Il était excité sur le truc.
sur le livre là, je sais pas quoi. Bah j'ai pas vu sur sa voix, tant pis. Les traces de pas. Empreinte de pas, modèle. Ah, ok. La porte était fermée de l'intérieur. Le tueur a dû sortir par là. Il n'y a pas d'empreinte, à part celle de l'agent Collins qui chausse du 44. Ce s'est produit il y a plusieurs semaines. Les empreintes ont pu s'effacer. Non. Ce type de sol conserverait les traces. Personne n'est passé par là depuis longtemps. On a combien de preuves là? Je crois qu'il en manque. Oh, on n'est pas allé là-bas. Mais quoi ici? Allez tout le monde, on s'active, on va pas y passer la nuit. Oh. Personne n'a envie de passer une minute. Oh putain. Enfin, c'est une secte ou c'est comment? Totem. Offrande religieuse. Ah voilà. Il manque un indice. Il est où le dernier? Il en manque un. Il en manque un, je vous dis où le dernier indice? Oui, oui, bah je viens de le voir. J'ai tout vérifié pourtant. Mais pourquoi? Attends. Ah ouais, mais j'ai déjà lu tout ça. Hop, page 1. On fait glisser. Glisse. Pourquoi je peux pas faire glisser? Allez. Viseur là-bas. Viseur là-bas. Ok. Bon, je crois que on a tout fait. Mais où le dernier indice? Ah, là-bas. Ah bah oui, j'ai pas vu le corps. Hein. Oh, je suis con. J'ai même pas vu le corps. Alors, ici. Oula putain, il s'est poignardé sale. 28 coups de couteau, sa mère. Ok. Red Ice, bon, il était drogué. DCT. Ouais, bon, ça. 130 kilos, putain, mon gars. Le sport, tu sais pas ce que c'est, hein. Ah, la main. Il y a quoi ici? Empreinte correspondant à la base de données Carlos. Reconstituée. Ok, donc il a glissé, la victime est tombée. Le couteau. Oh, c'est l'androïde, il l'a... Ah, mais il s'est défendu aussi. Ah, ça a commencé dans la cuisine. Ok. Il a été poignardé. 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. C'est bon. Et ça c'est quoi? I'm alive. Analyser. I'm alive. Ok. Très bien. Bon allez, on va parler à Spectre. Parlez. Lieutenant, je crois avoir compris ce qu'il s'est passé. Ah ouais. Raconte, je suis tout oui. Alors. Tout a commencé. Dans la cuisine. Dans la cuisine. Il y a des traces évidentes de lutte. Là, je peux pas vous faire choisir parce que il y a un délai. Exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde. Avec la batte. Avec la batte. Ça collerait avec nos poivrons. Continue. Oh, c'est trop bien, putain. L'androïde a poignardé la victime. La victime a poignardé le... Ouais. L'androïde a poignardé la victime.
Donc l'androïde essayait de se défendre. Ouais. Ok, il s'est passé quoi après? La victime s'est enfuie dans... Dans le salon. Le salon. Ouais, c'est vrai. Mais qui risque rien, ouais. Et l'homme a voulu se dégager de l'androïde. D'accord, ça paraît logique. L'androïde a assassiné la victime. Avec le couteau. Avec le couteau. Ok. Ta théorie est pas complètement absurde. Et putain, il a mis du tout que ça, non? Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du thyrium. Perdu du quoi? C'est le sang du bleu. Thyrium. Vous le surnommez sang bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'œil nu. Oh. Mais je parie que toi, tu peux encore le voir. Hein? Exact. Trouver le déviant. Scanner. Alors... Ah, les traces de sang bleu. Elles sont là. Ah ah, j'ai trouvé. Ouais, mais il sent pas la douleur. Mais bon, après, même si tu sens pas la douleur, tu fais quand même tabasser, tu vois. Et ça, bon, après, là qu'il a pas supporté. Hein. Ouf, s'il te plaît. C'était des balais. Putain, Connor, t'es une fiotte, hein. Regardez. La piste mène au grenier. Ok, donc il a dû se planquer. On va prendre... Je sais ce qu'on va prendre. On va prendre la chaise. Hey, tu fais quoi avec cette... Ta bouche. Je vais vérifier quelque chose. Je me laisse faire. Je vais vérifier quelque chose. Ok, allez. Ah, avance. Il est là. Oh sa mère, putain. Y'a qui vient de passer là? En vrai c'est l'androïde, il a dû se planquer dans le placard, obligé. Obligé les rester, enfin dans le placard, dans le grenier. Obligé de les dans le grenier. Allez, avance. Oh ça, putain, mais arrête de faire ça. Déviant localisé. Je voulais simplement me défendre. Fais des frères solo. Il allait finir par me tuer. Je t'en supplie. Ne leur dis pas. Connor, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Allez, laisse-moi le choix. Il est ici. Oh les bâtards. Putain de merde. Chris, Ben, ramenez-vous en vitesse. Mais c'est pas de sa faute. C'est pas le gars que je jouais juste avant. Non, non, non. Non, le gars que je jouais juste avant, c'était un blanc. C'était un white. Bon, écoutez. Je vais arrêter la vidéo là-dessus et le live là-dessus parce que, bon, commence à faire long. Et je dois faire d'autres trucs.
Donc, bah écoutez, pour ceux qui m'ont regardé dans le live, bah écoutez, merci beaucoup. Et je remettrai la rediff sur YouTube. Donc, bon, je fais un petit coup de pub, hein, vite fait, en passant. Ma chaîne YouTube, c'est Calu Gaming, pareil, ça change pas. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et tout ça, tout ça, tout ça. Donc, on se retrouve pour la troisième vidéo.